slow down. Okay? And also can be speed up. It's all with different purpose. Alright? Now, take a look here. My hand starts from the one. We go this first quarter here. See, one, this hand up here. Two, second quarter. Three, four, five, six. Return back. One, two, three, four, five. I will go this now. Can you see? Those move. It's diagonally. Those type of patterns more useful for pushing hand. Adding in the right hand and the supporting hand. You will see now. One. Protection. One. Two. Push away. Roll back. Three. Control. Three. Four. Five. Top. Et ben voilà, on y est. Bonjour, c'est 11h, pile 00, pour une petite séance de bien-être et de gymnastique du matin avec un esprit tai chi, comme d'habitude. On va tout de suite commencer à se mettre à l'aise, à faire bien. On va faire un petit échauffement aujourd'hui. On sent un petit peu le bassin, la nuit. On doit sentir où on a des petites douleurs du matin. Ce que je regarde de plus en plus, c'est ce qu'on appelle les mouvements circulaires. Les mouvements circulaires. Et en fait, tout est circulaire, y compris le bassin, la taille. Et les genoux font ce mouvement circulaire avec la taille. On va essayer de voir un petit peu ces mouvements circulaires avec la taille. Et là, quand on tourne, c'est les genoux qui doivent faire l'amorti. Il y a ce fameux 8 à trouver pour réveiller un petit peu toutes ces articulations. Ah, la caravane n'est pas droite, hein. Vraiment de pire en pire. Je crois que c'est vraiment de pire en pire. On est souple sur les genoux. On doit avoir ce mouvement, on doit avoir ce mouvement coordonné. Du poids qui descend d'une jambe sur l'autre avec le bassin qui oriente du bon côté pour la descente. Orienter le bassin. Une descente. Une poussée. On tourne. Une descente. Une poussée. Du bassin et une descente. Attention que les genoux restent toujours dans l'axe des pieds. Eh ben, ce matin, un petit conseil pour le top. Ah, c'est mon genou gauche à moi qui craque. Malheureusement, il craque. C'est normal, on est là pour
réchauffer ses articulations, se préparer pour la journée. Vous connaissez cet exercice-là pour les genoux? Petit réveil des genoux. Oh oui. Oh oui. Ça, c'est du réveil de genoux, ça. Le but est d'essayer de se détendre, de regarder, de ressentir plutôt où ça craque ce matin en faisant deux, trois petits exercices. Là, moi, je viens de voir craquer ma nuque. Ça fait cric, cric. Là. Le fait de devoir partir en haut, ça fait crac, crac pour la nuque. Donc, il faut que je travaille un petit peu la nuque. N'hésitez pas à mettre votre main pour sentir les mouvements du corps. Crac. 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 Bien. Et maintenant, les bras qui commencent à être détendus. Surtout, jamais les épaules en haut. Toujours les épaules en bas. Toujours. Descends sur la jambe, on pousse. Descends sur la jambe, on pousse. Et là, on a un mouvement circulaire. Et avec les bras, ah, il faut le rechercher, le mouvement. Hein. Il ne vient pas comme ça, tout de suite. Et après, ce même mouvement est accompagné d'autres mouvements qui deviennent également circulaires, comme les fameux nuages. Vous décrivez un cercle avec le bras. Même pas les brancher sur ce coup-là. Alors, il y a de l'avance ce matin. Il y a de l'avance sur le gâteau. Mais c'est parfait, ça va bien comme ça. Hein? On est tranquille. Pour ressentir les montées et les descentes, c'est avec la respiration. Maintenant, les mains par-dessus la tête. Poussez. L'autre poussé. Là, on étend les bras, on étire les bras. Et on revient. Oui. La main s'en va, la main revient. La main s'en va, on est toujours dans le même principe. On descend sur la jambe. Et quand on va descendre sur la jambe, c'est le bras qui revient. Le coude se plie en fait. Le coude se plie. Et c'est sur la poussée que la main avance sur la descente. Une poussée, tournée et la descente. Poussée avec la jambe gauche, tournée, descente sur la jambe droite. Et ainsi, hop. Là, 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 là. Et après la rondeur, dans le mouvement,
Après, vous avez les poignets qui tournent, une main qui avance. En fait, c'est les poignets qui tournent. Même moi, j'en oublie de passer d'une jambe à l'autre. Et là, vous sentez la tension dans le coude. Je sens la tension jusque... Quand je pousse avec la paume, la tension monte ici et je la ressens jusque dans le coude. Oh, le ray de lumière. Oui. Et après, on peut alterner gauche, droite. Gauche. Bonjour les rescapés du samedi matin. Ce matin, j'ai besoin d'échauffement parce que... Oh, il n'y a pas fait très chaud cette nuit. Et puis deux, là, je me sens... C'est ça quand on dit qu'il faut ressentir son corps et puis faire les choses comme on a envie en fonction de nos besoins. Si un matin vous vous sentez en forme, ça va impeccable, là vous commencez directement l'enchaînement. Boum, 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 boum. Et là vous vous concentrez sur vos directions. Mais un matin comme ce matin, on est samedi matin, il y a... Quelqu'un qui se réveille sur le chat. Oh, mais bonjour, Witz. Oh, fait plaisir, samedi matin, Witz. Oh. Voilà. Ah, t'as pas vu l'autre, alors je m'assieds, Witz, parce que... Regarde, on va commenter. Alors, Witz... Je me suis fait mon petit échauffement, en fait. Tu vois, ça fait déjà 10 minutes que je fais mon petit échauffement. Tu arrives, ça tombe bien. Tu avais dit que tu serais intéressé par d'autres petites vidéos. Je t'ai trouvé celle-là. Celle-là, je ne crois pas qu'on l'a vue, celle-là. Attends, oui, regarde. Je la commande volontiers avec toi. Hein. Regarde, Will, le bonhomme. Bon, la musique, elle est bourrée. Hein. Mais voilà. Il y a Jeanne aussi. Bonjour, Jeanne. Ah, tu l'as vu, celle-là? Tu l'as vu celle-là déjà, Wid? Non, je crois pas. Tu as vu une autre avec un monsieur, un japonais. Regarde. Hop. On peut même faire comme ça. Hein. Ah, tu as vu l'entraînement? Et là, il tourne pour aller dans le bon sens. Et là, il nous fait la grue blanche. Alors, ah non, tirer. Regarde. La presser. Ça, c'est un bon exercice. Presser. Revenir et repousser. Maintenant, il va aller faire le simple fouet. Il va devoir, une fois qu'on a repoussé, on est obligé de tourner un quart pour aller faire. Ça fait. Finir la main comme ceci. Voilà. Et derrière, donc, tu as l'autre monsieur qui lui fait les mouvements, mais avec les jambes.
levez les mains, la main droite passe dessous, on tourne, on arrive à la grue blanche, droite, gauche, la main monte ou descend, et on arrive au pipa. C'est intéressant. On reconnaît l'enchaînement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand une main descend, l'autre monte. Ah, mais ça, c'est un bon exercice. C'est un bon exercice. Oui, oui. Et ce que tu vois, c'est que le monsieur sur sa chaise, lui, il travaille avec son bassin. Ça lui fait travailler son bassin. C'est pour donner l'impulsion. Gauche, droite, gauche. Et ça fait travailler la taille. Mais oui, alors on va le faire, ce coup. Et bonjour, gâteau. Très bien, gâteau, samedi matin. On est en train de voir. Faut suivre, hein. C'est important de travailler ses articulations. Oui, celui-là, il est bien. Tu prends l'énergie et tu reviens. Oui, exactement, gâteau. C'est un petit déstressage du matin. Qu'est-ce que ça fait du bien de ne pas se prendre la tête et de se faire du bien au corps? Toujours bien faire attention au coude. Il faut avoir de la distance. Voilà. C'était pour expliquer, pour démontrer qu'il y a des exercices du tai chi de base qu'on peut faire assis en étant bien. Ce qu'il faut voir. Ah ben exactement. Le but, c'est de se sentir bien, léger. Je vais expliquer par exemple un phénomène. C'est que quand on est, peu importe qu'on est ici, lorsqu'on a les mains qui sont en haut, la première chose à faire pour faire descendre les mains, et c'est vraiment un réflexe à prendre, un, vous êtes là, mais vous lâchez les épaules. Ça ne se voit pas, mais ça se ressent. Là, il faut d'abord lâcher les épaules. Moi, j'ai fait exprès, je force un petit peu pour les épaules, parce qu'elles ont toujours envie de... Donc, et là, au tai chi, c'est exactement l'inverse. Alors moi, je dois aller contre mon instinct et mettre mes épaules en bas, parce qu'une fois qu'on a mis les épaules en bas, un, ça donne un angle différent, et que ensuite, lorsque la main doit descendre, enfin la main qui est en haut doit descendre, c'est le coude qui se plie. Donc lâchez l'épaule, pliez le coude, c'est vraiment ça. Vous êtes en haut, vous lâchez les épaules, lâchez les coudes, et ensuite c'est comme vous voulez. Si vous voulez appuyer, vous pouvez vous amuser à appuyer le fameux ballon.
C'est là, si vous, moi je regarde mes épaules, si les épaules montent comme ça pour appuyer, c'est que c'est faux. Je dois arriver à descendre le ballon sans faire bouger les épaules. Et ça, c'est avec le pli du coude et le pli du poignet. Je vais vous montrer les mains. On commence à comprendre que pour faire des mouvements circulaires, c'est comme le coude ne se plie que d'un côté, on est obligé de tourner les poignets pour mettre le coude dans le bon axe. Et là, amusez-vous au ressenti. Tournez les poignets. Tac. Pensez bien aux épaules là, qui viennent de tourner. Et maintenant, vous pouvez sans autre venir appuyer le ballon. On recommence, on tourne les poignets, les mains montent et on vient mettre le ballon au fond de la piscine. Tourne les poignets, on recommence. Et dans le ressenti, un ballon de rouge. Dans cette configuration, une fois que vous êtes en bas, là on est toujours dans les ressentis pour que vous puissiez faire le mouvement, que vous sachiez pourquoi vous tournez les poignets, c'est pour libérer les coudes. Et ensuite, pour monter la main, toujours le même principe, le creuset qui pointe les doigts vers le ciel, et c'est comme si vous vouliez monter vers le ciel, et à un moment donné, quand vous êtes suffisamment haut, de nouveau, le poignet tourne, et la main reprend sa place. La main gauche. Là, la main gauche va dessus. Tournez le poignet, faites monter la main. Hop. Et en tournant le poignet, vous comprenez que de nouveau, ça libère l'angle du coude. Là, vous avez la paume en face, vous pouvez avancer. Mais si vous ne tournez pas le poignet, il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez faire, et ben c'est faire les nuages. Et là, vous êtes obligé de tourner le poignet. La main s'en va. Pour reprendre ce que me disait Cali Gardière, il y a aussi possibilité pour comprendre de mettre la main, les mains comme ceci, et ainsi vous partagez votre corps en deux. Ça vous permet d'avoir ce fameux sentiment du poids qui est 50-50 chez vous. Maintenant, on va prendre le ballon. Il n'est pas de rouge, celui-là. On va prendre le ballon. Ensuite, la main gauche, on l'a vu. Le poignet se tourne, le coude se plie et se revient se retrouver là. Travail de la taille. Gardez bien la distance entre le corps et les mains. On l'a vu hier, mais j'adore cet exercice. Et ensuite, lorsque vous êtes sur la gauche, vous lâchez et la main d'en bas va en haut. Et la main en bas appuie. Bon. Lorsque vous en êtes là, de nouveau, les poignets tournent. Vous remettez le coude dans le bon axe. Ah, j'ai pas assez de place. Hein. Et vous revenez. Bon. La main droite.
elle part. Les poignets tournent et on revient. On fait de l'autre côté. On va mettre la main gauche dessous, et la main droite dessus. Torsion du bassin sur la droite et on lâche. Une main part en l'air et l'autre appuie. Retour, c'est-à-dire les poignets tournent et à ce moment-là, la main gauche repart en bas et c'est la main droite qui vient en haut. Petite torsion sur la droite et la main gauche s'en va. On le fait 2 fois, 3 fois pour comprendre que ce mouvement-là, il faut tourner les poignets pour mettre les coudes dans la bonne direction. Une troisième fois. Et là, j'ai remis la main droite dessous. Vous la sentez, cette boule? Là aussi, si pour tourner, c'est une affaire de poignet. En fait, les poignets donnent l'impulsion, donnent en fait la direction. La direction que va prendre la pliure du coude. Si vous faites ça, vous ne pouvez que monter. Si vous faites ça, vous ne pouvez que venir vers vous. Si vous faites la paume par terre, la seule chose que vous pourriez faire, c'est appuyer. Alors, Gâteau, tu veux venir t'amuser avec tes deux mains? Moi, tu sais bien, tu es perdant avec moi, hein, si tu veux t'amuser aux deux mains. Allez. Il faudrait poser le joint. Oui, il a fini son 2 feuilles, c'est bon. Et vous savez bien que c'est mon préféré, regardez les nuages. Mais ça, il faut l'entraîner parce que c'est le meilleur exercice de coordination et qui vous fait directement un mouvement circulaire. Alors, c'est parti, Gâteau. Tu prends ta main droite. Hein, tu en fais ce que tu veux, tu la prends. Et tu viens la mettre là en creuset. Tu lâches l'épaule. Pas comme ça. Hein. Non, lâche l'épaule. OK? Je te rappelle, tu as une main gauche que tu prends. Tu tournes le poignet, tu viens la mettre sur ta main droite. C'est bon? Maintenant, comment on fait? On va prendre la main gauche. Tu la tournes face vers toi. Tu regardes passer ta main gauche. Tourne le poignet, elle s'éloigne. Il se trouve que la main droite arrive. Quand la main droite arrive, c'est la main gauche qui tourne le poignet, qui descend, qui arrive. La main droite s'éloigne, tu regardes passer ta main gauche. Les poignets se tournent et la main droite arrive. Ce qui nous donne un mouvement circulaire des deux bras. Ça, c'est l'exercice que je fais quand je veux faire travailler ma nuque. Je regarde passer ma main, je la regarde s'éloigner et l'autre arrive. Ouais, vas-y Gâteau. Main gauche, main gauche. C'est pour ça qu'on peut... On peut vraiment s'amuser avec les mains tout en préparant les futures figures du Tai Chi. Je vais vous montrer ça aussi, puisqu'on on travaille un petit peu les jeux de bras et de mains aujourd'hui. Il y a, comment on appelle, ça s'appelle, je vais vous donner le nom, ça s'appelle l'aiguille au fond de la mer. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est l'aiguille au fond de la mer. Prenez votre main comme ceci, en face, bien en face. Et le but, c'est de faire pivoter votre main le maximum direction la terre, sachant qu'on ne peut pas le faire à cause justement du coude. Là, il y a un blocage.
Pourquoi? Pourquoi? Avec tout ce que je dis, je ne sais pas pourquoi parmi les phrases. Ce mouvement-là, là, et on appuie. La main bien droite, partir et plonger. Ce qui nous fait donc, là, on avance, on plonge. La main. Tu m'étonnes, gâteau. Ok? Tu tournes le poignet. Tourne le poignet. Par au fond. Tourne le poignet. La main revient. La main arrive. Se met en face. Et plonge. La main tourne. La main revient. Le poignet tourne. Et la main plonge. C'est un simple petit mouvement de la main. Aïe! C'est un simple petit mouvement de la main qui, en fait, le mouvement est le suivant. On est donc on est sur la jambe gauche, sur la jambe arrière droite, et c'est la jambe gauche qui vient, le pied gauche qui vient appuyer sur la pointe. N'est-ce pas? En fait, c'est un pas de l'arc avec le talon debout, le talon levé. Et voici le mouvement. Descendre avec la main, comme ceci, bien aviser le pied. Donc, plus vous descendez avec la main, plus vous mettez de poids sur vos orteils. Et en fait, vous avez compris, la main descend, on a l'amorti, et à un moment donné, la main, on ne peut pas aller plus bas. L'épaule, elle est fixe. Et comme l'épaule ne peut pas aller plus bas, les trois derniers centimètres, c'est une flexion des genoux. On y est. Et une fois que nous avons mis l'aiguille au fond de la mer, voilà, on y arrive, c'est que maintenant, vous l'avez compris, comme on descend, je vous dis, le bras, il ne peut rien faire, il ne peut pas faire plus, parce que c'est le bassin qui tourne, c'est sur la descente qu'on amène. Et quand on descend, on garde le pied gauche. Oui, c'est bien ça. Exactement, gâteau. Il faut pas que le talon y touche. Si le talon touche, c'est pas l'aiguille au fond de la mer, c'est autre chose. Et on sent, hein. D'accord. Brosser le genou. Descendre. Ah, puis alors, attends, regarde la position. Genou, jambe. Là, le pied comme ça. Et... Oui, ben moi aussi, ben waouh.
Ça, c'était. Ouais. Viens t'asseoir, gâteau. T'asseoir. Da-da-da. Ouais, la souplesse, hein. Pour rien de tel pour s'entraîner à comprendre que c'est les rotations du poignet qui mettent le coude dans les bons, dans le bon axe pour accéder au bon angle. C'est un peu complexe, mais c'est exactement ça. Tu mets les mains comme ça. Mettez les mains comme ça. Donc ça, c'est tai chi sans être tai chi. C'est-à-dire que dans le tai chi, il n'y a aucun mouvement. Vous avez les mains qui sont jointes comme ça. Mais là, vous allez comprendre pourquoi ce mouvement. Pourquoi vous avez les mains jointes. C'est bien que je puisse me voir parce que je vois toujours mes erreurs. Par exemple, ma grande erreur, c'est... Tadam! Je vais vous faire le truc avec les pouces comme ça, mais non, non, non. Un pouce là, on appelle verrouiller les pouces. Et là, vous tournez le poignet, vous tournez les deux poignets. Déjà, vous prenez conscience de ce mouvement-là, ce qu'il implique. Vous sentez tout de suite dans le coude. Là, on sent que là qu'il y a un blocage. Pour ça qu'on saucissonne le mouvement. S'il y a un blocage maintenant, c'est parce que les coudes ne sont pas dans la bonne position pour se déplier. C'est pour ça que on continue. Là, c'est que les poignets. Et c'est en détendant les coudes que les poignets entraînent le coude en-dessus de la tête, la main en-dessus de la tête. Donc, c'est uniquement, c'est pour ça que je peux l'exercice. Une rotation du poignet qui amène. Et une fois que vous êtes là, ça tire, hein? Oh putain! Et une fois que vous êtes là, le but, c'est de soulager et vous faites l'inverse. On sent, c'est la rotation du poignet qui amène. Et là, si vous voulez vous amuser, maintenant vous pouvez donc séparer les mains. On déroule toujours comme ceci, avec la paume face. Et ensuite, on doit descendre. Et la redescente, ça fait du bien. Hein. Alors, comme il dit, la descente, ça fait du bien. Et on a perdu l'épaule droite à 8. Gauche, gauche pour vide. Là aussi, chacun doit trouver sa limitation. Quand vous tournez, vous voyez bien que vous ne pouvez pas aller plus loin. Et c'est ça, moi, que j'aime chez le Tai Chi, c'est parce que dès que tu sens une tension, tu dis non, c'est bon, je ne peux pas aller plus. Et c'est ça dans le ressenti. Et si on ne peut pas aller plus loin, pourquoi? Parce qu'il y a le mouvement suivant à faire. C'est tourner le poignet. Tu tournes le poignet, c'est incroyable, tu as l'épaule qui se débloque. Et tu as le coude, il se met pile poil dans le bon axe pour pousser. Voilà. Puis quand c'est bien poussé comme ça, tournes le poignet encore. Et là, tu lâches. Ça y est. Le poignet tourne. Fais tourner l'épaule et le coude.
la main s'en va, tu tournes, ça fait revenir. Oh. N'est-ce pas, Gâteau? C'est exactement ça, Gâteau, il dit, quelle belle machine que le corps humain. Eh bien, c'est exactement ça que ces foutus chinois, ça fait 500 ans qu'ils font du tai chi, et ils ont trouvé chaque muscle, chaque machin. Là aussi, quoi de plus simple comme exercice? Paume face au ciel et la main avance droite. La main revient, le poignet tourne, la main se pose. La main gauche. Comprenez bien que là, c'est le mouvement d'avant. Et lorsque le mouvement arrive ici, si vous décidez d'aller devant, eh bien là, vous devez tourner le poignet et pousser. Si vous voulez continuer, il faut continuer de tourner le poignet pour pouvoir avancer le bras. Je veux mettre la main ici. Un quart, une demi, le tour entier. Même chose de la main droite. Un quart, on avance, on revient et on pousse avec la paume. Et là, quand on pousse avec la paume, c'est on pousse comme ça, comme si on voulait soulever quelque chose avec la paume. Et ça provoque quelque chose sur l'épaule. Bon, dès que vous la sentez, vous détendez le muscle et vous faites revenir la main. Ah, ça commence à venir, hein, j'espère. Allez, ah ben, on a encore 3 minutes, hein, puis c'est fini. Merci Gâteau. Je te souhaite une bonne après-midi. Salutations. Bon salutations après-midi. À tes parents. Que tout se passe bien pour toi et un tout bon week-end. Ah oui, Jeanne, hein, c'est cette fameuse mécanique hein, qu'il faut arriver à comprendre. Là, c'est la mécanique des épaules. Épaules et les omoplates, oui. Jeanne, on va quand même faire un petit enchaînement là. Alors oui, tu peux suivre les bras, mais on va se faire le petit enchaînement. Donc, il est les 42, on a 3-4 minutes pour le petit enchaînement. Juste répétition. On y va tranquille, c'est samedi matin. Et comme je le dis, on commence au sud. On va faire 45 degrés. Oui, merci Jeanne. 45 degrés pour parer. On va faire un pas, on va se retrouver à l'ouest pour les quatre forces. On va faire le demi-tour pour faire le simple fouet. On revient au sud-ouest pour faire lever les mains à la grue blanche et brosser le genou à gauche. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est parti. On va gentiment se mettre les pieds écartés de la largeur des épaules. Et quand je dis gentiment, c'est-à-dire qu'il faut prendre son temps pour le faire bien. Il ne faut pas venir trépigner comme ça. Moi, j'adore voir les preuves. Quand ils venaient, les tout premiers, ils arrivaient, puis ils se mettaient, puis ils faisaient. Non, on leur dit tranquille, tranquille. Hein? Et on est prêt. Les pieds écartés de la largeur des épaules. On pousse avec les genoux. Une fois, deux fois, et trois fois. Pourquoi ? Pour sentir bien l'enracinement de toute la surface du pied sur le sol. Ensuite,
Sur la descente, les coudes se plient. Sur la montée, les bras avancent. Quand les bras ne peuvent plus avancer, sur la descente, les coudes se plient, les mains reviennent. Et lorsqu'on veut mettre la balle au fond, on appuie, on est sur la montée pour mettre la balle au fond. Ensuite, on descend sur la jambe gauche, le talon du pied droit tourne. On pousse avec la jambe d'appui gauche, on remplit le pied droit pour saisir la queue de l'oiseau. On est sur la montée, le bras redescend. On fait le pas. On se retrouve au sud-ouest pour bien tourner de bassin. Le bassin tourne, on descend. On se retrouve à parer. Attention au genou gauche, au genou droit qui part à l'intérieur. Ensuite, on descend sur la jambe avant gauche. On pousse pour faire revenir le pied. On met le bassin à droite, ça pose le talon à gauche. Et on remplit le pied avant droite. On est en pas de l'arc. Le poids sur la jambe avant droite. Et lorsqu'on pousse avec la jambe avant droite, il y a la main qui revient. Le poignet tourne sur la descente. La main va au sud. On est en appui sur la jambe gauche. On pousse avec la jambe gauche. Tourne. Ça fait le contact avec les poignets. Et là, on pousse avec la jambe avant droite. On est en appui sur la jambe arrière gauche. Et on pousse pour investir le pied droit. La main gauche, on l'oublie contre la cuisse gauche. La main droite s'éloigne. Première grosse poussée. La main dans la cible au sud-ouest. Poussée de la jambe gauche. Descente sur la jambe droite. Poussée de la jambe droite, ça ramène le pied. Ouverture de la jambe gauche. Poser le pied. Et on fait un magnifique simple fouet. Depuis le simple fouet, on fait cette fois-ci une poussée avec le pied gauche. Donc c'est le même mouvement qu'avant, mais à l'inverse. Arriver sur la jambe gauche d'appui qui a poussé. Pousser avec la pointe des pieds du pied droit. Poser le pied sur le talon. Pied droit en avant, main droite en avant, levez les mains. Levez les mains, on va à la grue blanche, donc on descend sur la jambe gauche. Et sur la poussée, ça fait tourner. Les orteils se regardent, on a vu ce mouvement. Et c'est sur la descente que l'on va taper la deuxième cible au nord-est. Et c'est sur la poussée que les mains... La main droite monte et le poignet tourne. Le sud, enfin, maintenant, l'est est devant moi et l'ouest est derrière. On en est à la grue blanche. Et la grue blanche, ça fait droite, gauche, droite. On prend le champignon, monter, ça descend pour poser le pied et on brosse le genou à gauche. Après, pour le fun, descendre sur la jambe avant droite, gauche, ça ramène le pied droit et on joue le pipa. Jambe gauche en avant, main gauche en avant, c'est le pipa. Et depuis le pipa, gauche, droite, je suis dans la table, chérie. Ah, les amis, time is time, et c'est bien sympa de vous avoir tous ce matin, hein, les amis. Alors voilà.
Eh oui, on se voit tout à l'heure, hein, sur un des réseaux, pas de souci, hein. Merci Jeanne pour ta participation active, assidue. Et puis merci à Gâteau pour le passage. Eh oui. Donc voilà, c'était un petit samedi matin, super sympa, super tranquille. Et il me reste à vous souhaiter un bon appétit, une bonne après-midi, un extra week-end. Et on se retrouve lundi matin, 11h, pour un petit récapitulatif. Définitivement, on vous embrasse. Et special guest pour Weed. À tout bientôt. Au revoir, les amis.